certains visages seront décrispés tout à l'heure, c'est sûr. Ça me rappelle des souvenirs, hein, cette histoire. Voilà. Alors donc, le moment tant attendu est arrivé. Celui où chaque groupe va être confronté à la qualité de ses prestations. Je voudrais dire que dans l'ensemble, nous avons été satisfaits. Quand on s'est retrouvés, la première chose que nous avons dit, c'était mais il s'est passé pour nous. Parce qu'on voulait voir, mais c'est intéressant. Bon, 4 minutes, 6 groupes, ça fait 35 minutes, c'est venu trop tôt. Alors, vous voyez, comme a dit le président Carlos, il y a un certain groupe. Voilà, bah, chaque fois ça montait, et bon, voilà. Ok, alors nous sommes là pour vous apporter des résultats, des résultats de bon mois. Voilà. Mais avant, nous allons faire quelques petites remarques. Nous pouvons le faire, puisque c'est une prestation. Voilà. Ça peut vous aider pour des prestations à venir. Le chant lui-même est un chant qui est vivant. Mais je dois dire que très peu de groupes ont exprimé cette vie-là. Je ne sais pas si, comme on dit, l'enjeu a tué le match. Voilà, c'est peut-être ça, pas. L'enjeu a tué le match, pour certains, en tout cas, on l'a constaté. C'est un chant qui est vif, qui demande de l'énergie, qui est vivant et qui parle de la victoire de Seigneur. Les membres du jury l'ont noté. C'est un chant qui parle de la victoire. Et quand on parle de la victoire du Seigneur, on doit le faire avec enthousiasme. On est heureux et on doit sentir cette joie-là dans les visages, sur les visages, dans les sourires. Mais beaucoup de groupes n'ont pas sourire. Voilà, donc il fallait dire ça. Hein, il faut coller au chant. Voilà. C'est un peu comme si vous alliez rejeter. Et puis vous pouvez chanter à la gloire du Seigneur et chanter avec les mythes. C'est pas si vous avez gagné les âmes. Voilà. Ensuite, au niveau des tenues, c'était bon. C'était décent. Alors, on n'a pas trouvé des tenues qui n'étaient pas correctes. C'était correct dans l'ensemble. Voilà, mais chaque groupe a marqué sa différence par les couleurs qu'elle a choisies et puis la façon dont les pages ont été portées. Ok, ceci étant, nous allons maintenant passer au classement. Bon, moi, j'avoue que je ne suis pas trop pour la compétition qu'on a avec le Seigneur. Mais la compétition aussi, ça stimule. Et ça pousse les gens à se surpasser. Donc on comprend cet esprit de compétition. Le point. Les points, si vous voulez, 187,5. Moyenne, 62,50 sur 100. C'est le groupe Bethel. À la fin du Bethel. Ensuite, avec 210,5 points, moyenne, 70,16 sur 100. C'est le groupe Abdias. Avec 229,5 points. Moyenne 76,50 sur 100. Le groupe El Elion. Avec 260 points, bien sûr. Moyenne 86,66%. Le groupe Eden. Le premier. Nous voulons vraiment féliciter ce groupe-là. Parce que ils se sont distingués dans toutes les rubriques. Que ce soit au niveau de la maîtrise de la chorégraphie, que ce soit au niveau de la créativité, que ce soit au niveau de la tenue, que ce soit au niveau de la vie à mettre dans le message de la victoire du Seigneur. Vraiment,
J'avoue qu'ils nous ont épatés. On a été vraiment agréablement surpris. C'est pour ça justement que nous avons voulu un septième pour relever ce défi-là. C'est le groupe. Bon, on va pas donner le point. C'est le groupe pop. C'est le groupe Bethany. Coucou les amis, comment vous vous portez? Comment ce samedi? Nous sommes venus ici pour la gloire de Dieu. Nous sommes venus pour une compétition. C'est vrai que c'est une compétition, mais nous l'avons fait pour la gloire de Dieu. Et nous sommes venus pour faire bien amuser. C'était vraiment intéressant. J'aimerais lancer un appel à tous mes amis qui ne viennent pas aux répétitions, qui ne viennent pas aux activités de la jeunesse. J'aimerais que vous veniez participer aux activités de la jeunesse parce qu'on ne sort pas comme ça. On tire forcément quelque chose avant de partir. Et pour cela, je vous invite vraiment à venir participer à tout ce qu'il y a comme activité au sein de l'Église. Je vous remercie. Se rassembler pour la cause de Dieu, il n'y a rien de plus beau. Pendant ce moment de la jeunesse qui a fait l'objet d'une compétition de danse, c'était vraiment super. On s'est bien amusé et on continue de le faire. J'encourage davantage les jeunes à participer aux activités de la jeunesse car franchement, il y a lieu de se défier constamment, rien qu'en s'amusant déjà ensemble et pourquoi pas faire encore davantage de choses pour la gloire de Dieu.